Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la parole. Côté que nous avons continué l'aventure, nous dans Marc chapitre 7. Dans l'épisode ça, nous allons regarder ensemble comment que bon Dieu lui garder sa capacité en dedans que en nous prier. Seigneur, nous bénissons, nous vous remercions, merci pour grâce infinie, merci pour bonté, pour fidélité. Nous prions qu'on va parler et que nous-mêmes nous va attendre, qu'on va corriger, qu'on va prendre contrôle que nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. Bon Dieu. Li garder ça qui a passé dans cœur et c'est ça qui fait li dit nous c'est par rapport avec abondance que nous que bouche nous parler. On nous lit dans Marc chapitre 7 verset 1 et 2. Il dit les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Donc pharisiens yo songe dans époque ça pharisiens c'était docteur de la loi yo était là pour garder veiller tout petit détail de la loi et nous pas loin que yo était bail plus attention avec observance de la loi plus que commandement bon Dieu yo et scribe yo de côté par mission yo c'était retranscrire la Bible journée jodi a nous gain photocopieuse nous capable juste fouer la Bible là non photo non machine et puis deban nous une quantité mais dans époque ça si me t'ai besoin un livre par exemple Esaïe faut moi t'al côté yon script pou te réécrit li ban moi pour le sam t'ap konnen que moi gagne yon livre dans Bible là. Donc dans chapitre ça, yon nan bagay que pharisien yo script yo focus sou li c'est lavage des mains et yo accuse disciple yo que yo prend repas yo manger avec mains yo qui impur. Donc pour yo même lavage des mains c'est pas juste vider de l'eau sous mains en laver, te gen toute yon tradition qui te marché avec li, te gen des rituels qui te doit faire pour lavage mais ça. Et dans verset 3 et 4 nous lit or les pharisiens et tous les scribes et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Tradition, notez ça. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Donc pour eux-mêmes gon lien entre purification et lavage des mains. Ils ont beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases des reins. Donc, tout rituel ça qui était lié entre lavage des cruches, lavage des mains, ils ont été assemblés dans un document, dans un ensemble d'écrits, ils ont été les Mishnah. Donc, c'est une compilation de règles à propos de la purification. Et songez bien, lavage des mains n'a pas seulement un sens hygiénique pour yo mais il te gagne un sens cérémoniel un sens de yo t'a fait li pour penser que c'est ça que t'a pral rendre yo pur et ça que t'a pral rendre yo propre. Et verset 5 et les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens mais prennent-ils leur repas avec des mains impures. Pour qui sa disciples pas suivre tradition ancien yo tradition ancien yo. Donc Jésus-Christ qui connaît cœur yo, Jésus-Christ qui connaît qui ça yo vle di, côté yo vle aller, il pral répondre yo soigneusement en tant que bon enseignant, en tant que le professeur, le pédagogue par excellence. Il pral prendre même tradition yo, il pral utiliser pour montrer que à travers la Bible, nous violer commandement bon Dieu yo. Ou même scribe ou ta supposé connaît ça, ou violer commandement bon Dieu yo. Dans verset 6, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc, nous jouons une parole, ça dans Esaïe 29, verset 13. Le peuple là, t'a adoré, c'est comme si, yo crié, « Alléluia, béni soit l'Éternel, yo chanté l'orange pour bon Dieu. » Mais leur a gardé sa cap sortie dans la bouche, yo, cœur yo, montré yo que yo pas gagné. Pour yo wè avec bon Dieu mais bouche yo a chanter gloire bon Dieu ou bien reler bon Dieu. Dans verset 7, il dit c'est en vain qu'il m'honore et donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. En d'autres termes, yo annuler, yo éliminer commandement bon Dieu, yo fait tradition par venir plus poids que commandement bon Dieu. Combien fois nous trouvons-nous dans la même situation ça? Combien fois que bouche nous a cité nos bon Dieu et
pas bon ici, nous tellement prend bon, nous citer nos bon Dieu dans toute bagaille. Bon Dieu connaît, bon Dieu ceci, bon Dieu cela. Mais que nous, il éloigne à même des kilomètres de bon Dieu. Songez que bon Dieu voulait que nous rapprocher de lui-même. Bon Dieu voulait que nous baille importance avec commandement lié plus que tradition qui en dans l'église, yo, plus que tradition qui capable exister. C'est facile pour tradition envahir l'église, c'est facile pour tradition tourner dogme, c'est facile pour tradition prendre contrôle là. Regardez dans verset 9, il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Mise en garde pour nous. Commandement bon Dieu supposé numéro 1, nous pas qu'à anéantir par aucune tradition. Et d'après yon nan commandement bon Dieu yo que Jésus-Christ parle utiliser pour le montrer, mais ça que nous a fait dans Deutéronome 5:16, li di yo c'est pour honorer parents yo, honorer maman yo, honorer maman papa yo, jan que bon Dieu ordonné là. Et qui ça yo pas le faire yo même, yo pas le violer, yo pas le changer. Gen pile l'autre encore. Par exemple dans tradition juif là, ou bien dans loi juive là, li di si yon moun dérobe yon moun pare li dans Exode 21 verset 16, li di celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Dans verset 17, il dit « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Pourtant, juif ça, pharisien, scribe, yo pral détourner parole bon Dieu ça, pral détourner commandement bon Dieu ça, yo pral remplacer par un principe qui relé corban. Dans verset 10, il dit: quand Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 11 chapitre 7: mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez pas, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, Jésus-Christ dit, mon exemple, nous connaissons la parole là dit. La loi Moïse dit que nous besoin honorer parents nous, honorer maman nous. Mais nous même nous comme ça pour ça nous fait les nous besoin changer, les nous besoin prendre cob là pour nous régler business pas nous pour nous pas prendre son parents yo, nous dit d'abord juste dit ça que nous d'abord ba aller cob hein. Nous bail bon Dieu li. Pendant ce temps nous prend cob ça nous gérer business, nous faire affaire personnel nous avec lui. Nous annuler commandement bon Dieu. Pendant nous annuler commandement bon Dieu, nous mettez l'autre monde en souffrance, nous détruit la vie l'autre monde. Pendant que nous avons annulé le commandement bon Dieu. Donc nous faisons pas quatre bagailles qui sont semblables avec ça. Yo. Et puis nous avons focus sur la tradition, même pas la vie. Mais Jésus-Christ dit, ça qui est important pour moi, c'est le cœur. Est-ce que le cœur nous droit, vrai? Est-ce que en pile fois nous pas quitter la tradition pour prendre le dessus? Moi-même avec vous, nous avons besoin de prudence. Nous avons besoin de connaître que ça qui est important pour bon Dieu, c'est l'observance. Commandement Dieu, c'est remet bon Dieu avec tout cœur nous, avec toute force nous. C'est obéissance avec parole lui. C'est pas changer commandement Dieu au profit de tradition pas nous, mais c'est fait volonté. C'est accompli dessein lui. Et dans le prochain épisode là, nous pourrons insister sur hypocrisie qui existait dans mes temps pharisiens yo avec scribe yo pendant que le pourrons adresser là avec foule là. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur nous bénissons, nous disons merci pour grâce infinie, merci pour bonté. Nous prions qu'on va bailler nos courage pour nous observer commandement yo plus que tradition que nous gagnons yo Seigneur, pour nous quitter commandement yo parler plus et pour nous suivre parole. Au nom de Jésus nous t'en prions ainsi. Amen.